D'accord. Donc, aujourd'hui, en fait, on va continuer sur le traitement du langage naturel, Natural Language Processing. Alors, qu'est-ce qu'on va faire réellement? En fait, on va appliquer un apprentissage super visé. Super visé. On va appliquer un apprentissage supervisé sur un fichier de données contenant les feedbacks clients. Est-ce qu'on peut dire ça? Les feedbacks clients. Enfin, dans un restaurant américain, dans un restaurant. Donc attention, hein. Ce n'est pas de la, ça sera pas de l'apprentissage non supervisé. Hein. Car hier, nous avons travaillé l'apprentissage non supervisé avec l'algorithme a priori. Allez, je profite puisque quand même on a rédigé plein de codes. Allez, je vous demande en fait d'exécuter ces commandes pour charger les bibliothèques. Puis, voilà, afficher et charger le fichier restaurantreviews.tsv. Nous avons fait ça hier. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer le code. Je vais vous envoyer le code maintenant. Juste pour simple rappel, déjà, merci beaucoup pour la commande head. En fait, avec la commande head, on peut afficher enfin les cinq premières lignes du fichier restaurantreviews.tsv avec Linux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Il s'agit en fait d'un apprentissage supervisé. Supervisé par quoi? Supervisé par la variable cible. C'est-à-dire le commentaire de ce client, wow, love this place, est positif. C'est-à-dire que le client, il a aimé le restaurant. Crust is not good. Is not good. C'est zéro, c'est négatif. Ça veut dire que le client n'a pas aimé le restaurant. Le but. Apparemment, il y a une question. 33. Code de frappe. Riyad, je comprends pas. Je comprends pas. Bon. Bon, je comprends pas ta question, Riyad. Mais, voilà. Voilà en fait nos données. Très bien. Allez, je vous envoie ça déjà. Je vous envoie ça. Maintenant, nous avons 1000 commentaires. Nous avons 1000 commentaires. Et nous avons deux colonnes. Ah, peut-être il veut me dire ça. Ah non, c'est pas ça, le 33. Bref. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le but est de. Et là, concentrez-vous, car c'est un peu compliqué quand même. Hein, c'est vraiment compliqué. Le but, en fait, c'est de préparer. Le but, c'est de préparer ces données textuelles. Data preparation. Comme vous remarquez hein, là, certainement, les données, en fait, ce sont des données textuelles. Aucun algorithme.
aucun algorithme ne peut comprendre des données textuelles. Alors, il faut préparer ces données, encoder ces données. Et bien évidemment, ces données contiennent quoi ? Contiennent du bruit, des gros mots peut-être, car j'espère, hein, d'ici la fin de la séance, je vais vous montrer comment récupérer des données à partir de Twitter, et à partir de YouTube. Oui. Et sur Twitter et YouTube, si vous allez analyser des données, vous allez trouver des gros mots, des gens qui insultent des gens, des propos racistes. Il faut supprimer tout ça. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Donc, à un moment donné, il faut vraiment nettoyer les données textuelles. Arrêtez-moi hein, s'il y a un problème. Il faut vraiment nettoyer les données textuelles. Nous avons vu hier que, afin de préparer les données textuelles, il existe en fait un nombre d'étapes. Donc, tout d'abord, il faut nettoyer les phrases en supprimant les signes de ponctuation. Bon, quand même, je vous envoie ça. C'est un markdown. Hein. C'est un markdown. Après, je vous enverrai des codes après la séance. Il faut nettoyer les phrases en supprimant les signes de ponctuation et autres caractères, comme, par exemple, quand toi, tu prends un tweet, tu vas trouver @RT. @RT, attention, c'est pas Russia Today, hein, Russia Liao, non, c'est retweet. Ça veut dire que le tweet a été retweeté. Et bien, il faut supprimer le @RT, d'accord ? Tu vas trouver des signes de ponctuation, des trois points, point d'interrogation, point d'exclamation. Il faut supprimer tous ces signes de ponctuation. D'accord ? Puis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut transformer toutes les lettres en minuscules, ok ? Puis, il faut décomposer les phrases en entités. Donc, quand toi, tu regardes une phrase, « Not nasty, and the touch was just nasty », eh bien, tu peux soit diviser cette phrase en groupe de mots, hein, par exemple, notasty, and, ça, c'est un mot de texture, tu considères ça comme un groupe, hein, un sac, bug of words. Tu peux après considérer cette phrase comme des entités, et chaque entité est un mot, not, est une entité, tasty, est une autre entité. Et on peut aussi considérer cette phrase comme un ensemble de lettres, n. Donc, N devient une entité. O devient une autre entité. T devient une autre entité. Voilà. Il faut décomposer les phrases en entités. Aujourd'hui, pour faire simple, on va considérer chaque phrase comme un ensemble de mots. D'accord ? De mots. C'est-à-dire, les entités, ce sont des mots. Puis, il faut supprimer les stop words. Ne vous inquiétez pas. Dans quelques minutes, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, stop words. Et une fois on fait ça, on finit par fabriquer notre corpus. Notre corpus. D'accord ? B. S'il n'y a pas de questions, allez, on va commencer vraiment notre nettoyage des données. Notre nettoyage des données. Ou bien notre préparation des données. À cet égard, on va charger, donc chargement, des modules nécessaires pour nettoyer les données textuelles. Quels sont ces modules ? Tout d'abord, il y a le module RE, expression régulière. Sinon, attention, Pandas. Pandas aussi permet de réaliser, de nettoyer des données textuelles. C'est-à-dire, on peut trouver quelques requêtes ou bien quelques fonctions liées aux expressions régulières dans Pandas. Mais en Python, il existe tout un module qui s'appelle RE, Regular Expression, qui permet de faire ce travail. Puis, il y a le module NLTK, Natural Language Toolkit. C'est un module hyper puissant, utilisé dans pas mal de modules. D'accord. Puis, on fait ça hier, hein, rapidement, à la fin, on va charger les stop words. On va charger les stop words. Donc j'exécute. Pardon. Ctrl Z.
J'exécute, ça prend un peu de temps. Hein. Voilà. Donc là, tu obtiens un trou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un LTK a chargé les stop words. Maintenant, laissez-moi vous montrer ces stop words. Qu'est-ce que ça veut dire, stop words? Donc, on va faire from NLTK corpus va charger stop words. C'est-à-dire on va charger la fonction stop words. Puis, regardez, stop words. Words. Je viens ici, je mets English. Ah, quand même, quand on regarde nos données, ce sont des données textuelles rédigées en anglais. Donc, il faut utiliser quand même des stop words en anglais. Bon, je charge. Regardez. I, me, my, myself, we, our, ours, ourselves, you, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des stop words. Bon. Peut-être que j'utilise print, c'est mieux, pour améliorer l'affichage. Voilà les stop words qui se trouvent. Les stop words, bien sûr, en anglais. If, or, because. En fait, ce sont des mots que les data scientists, c'est-à-dire quand ils traitent le NLP, Natural Language Processing, considèrent comme des mots qui ne contiennent pas vraiment de l'information. OK, donc ça, c'est par rapport aux stop words en anglais. Stop words en anglais. Bon, je vais quand même vous montrer les stop words en français. Tu viens ici et tu me mets French. Et tu me mets French au lieu de English. Donc, O, avec ce, c'est, dans, de, des, du, elle. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des stop words en français. Donc, suis, enfin, serai, enfin, fume, là, enfin, assez simple. Allez, on va essayer de voir. Est-ce qu'il y a des stop words en arabe? Oui, il y a des stop words en arabe. Idan, idé, idamé, idan, akthar, elé, ilé, ilayki, ilaykoumé, ilaykonna. Ce sont des stop words en arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec NLTK, avec NLTK, on peut réaliser des analyses textuelles, enfin du text mining cross language. C'est-à-dire, on peut analyser des données en arabe, des données en français, des données en anglais. Après, est-ce que toi, tu dois étudier la langue coréenne ou bien la langue chinoise pour pouvoir analyser des données textuelles en chinois? Non. Il suffit que tu utilises la bonne bibliothèque. D'accord? Et la preuve ici, la preuve que on trouve des choses en arabe. Donc, tu peux même analyser, par exemple, des données récupérées à partir de Twitter en arabe, littéraire. Après, il reste encore le problème du dialecte tunisien. Les Tunisiens ne parlent pas arabe. Ça, c'est un vrai problème. Enfin, je ne sais pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est un vrai problème ou c'est pas un problème? Enfin, les gens sont libres. Mais le Tunisien ne parle pas arabe, littéraire. Nous, on utilise en fait un truc mélangé, français, italien, je ne sais pas moi, amazigh, arabe, et on fait des conjugaisons tout azimut. Donc, ces modules restent vraiment incapables de comprendre le web tunisien. On trouve vraiment des difficultés à analyser le web tunisien. Bref. Donc, allez, je reviens à l'anglais. Vous pouvez jouer, hein, vous pouvez enfin, chercher les autres langues. Bon, oh, c'est cool, hein, le traitement du langage naturel, c'est très cool. Mais, allez, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, vous avez compris les stop words. Et, allez, maintenant, je parle d'un point de vue technique, vraiment d'un point de vue technique. Quand toi, tu regardes les stop words, eh bien, les stop words, c'est une liste. À la fin de la journée, c'est quoi stop words? C'est une liste. Tu vois, c'est une liste.
Et ben toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux utiliser Append et tu peux ajouter tes supports. Imaginons que si tu juges que les stop words qui se trouvent dans le module NLTK sont limités ou bien ne sont pas suffisants, c'est facile. Tu peux ajouter ta sauce, tu peux ajouter tes stop words à toi. Donc tu peux fabriquer vraiment ton dictionnaire. Ok. Allez, je passe. Donc, laissez-moi quand même commencer par l'étape numéro 1. Il faut nettoyer les phrases en supprimant les signes de ponctuation et autres caractères, exemple, arrobas, RT, et ainsi de suite. À cet égard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une phrase au hasard. Bon, laissez-moi quand même... Allez, on va prendre la phrase numéro 1. Wow, love this place. D'accord? Comment on fait pour récupérer la phrase? Je fais TF ILOC, d'accord? Zéro pour dire la première ligne, puis je mets zéro pour dire la première colonne. N'oubliez pas, hein, DF contient deux colonnes, la colonne review et la colonne liked. La colonne review et la colonne liked. La colonne review, c'est notre X, et la colonne liked, c'est notre variable cible. D'accord? Donc, voilà pourquoi j'ai mis 0. Voilà pourquoi j'ai mis 0 en deuxième argument. Et le premier argument, c'est pour dire deuxième phrase, troisième phrase, quatrième phrase, ainsi de suite. Bon, je reviens à 0. Donc, toi, tu as le choix. Toi, tu fais df.ilog 0,0. Ou bien tu peux faire tout simplement df values 0,0. Non, sauf qu'ici, tu travailles avec NumPy, Numerical Python. Et là, tu es en train de travailler avec Pandas. Ah. Allez, je vais définir une chaîne de caractères brute. On va appeler ça phrase brute. Phrase brute. Et je mets dans phrase brute, je vais mettre ma phrase. Donc, si je vous montre phrase brute, voilà, wow, love this place. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait qu'il y a ici une lettre majuscule, loved. Wow, il existe une lettre majuscule. Il existe ici en fait trois points, suspension. Il existe ici un point. This, si vous avez remarqué, je pense que this est un stop word. D'accord? Puis, loved, c'est le verbe love conjugué au passé, loved. Ou bien, c'est une forme passive. C'est quoi la différence entre loved, loving, loves, je ne sais pas moi. Peut-être toutes ces expressions, tous ces termes viennent d'une seule origine, du verbe to love. Ok, voilà, donc il faut quand même appliquer ces étapes, les cinq étapes que je viens de vous montrer, pour préparer cette phrase à la modélisation. Commençons donc par la première phrase. Il faut nettoyer les phrases en supprimant les signes de ponctuation entre caractères exemples. Donc, je commence par la première étape, étape numéro 1. Oui, il faut que je vous envoie le code. Donc, Shift, je fais ça, Shift M, non. Shift, je fais ça, puis je fais Shift M. Je vous envoie le code. Je passe à côté. Donc, étape numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le module regular expression, point sub. En fait, quand toi, tu fais point tab, tu vas obtenir toutes les fonctions et les classes qui opèrent dans ce module, qui se trouvent dans ce module. Nous, on va utiliser la fonction sub. Voilà. Cette fonction permet, en fait, de remplacer et d'effectuer un changement.
Alors, regardez comment je vais faire. Je vais tout d'abord lui dire remplace-moi tous les caractères de l'alphabet, tous les caractères autres que j'ai utilisé ce signe, d'accord? Autre que les caractères de l'alphabet de A à Z en minuscule et de A à Z en majuscule. Par quoi on va remplacer ces caractères? Par un espace. Attention, je n'ai pas mis ça. Je ne vais pas remplacer les caractères de l'alphabet A, Z, A, B, C, D, minuscule, majuscule. Non, je vais remplacer les autres caractères. Les autres caractères. Tu fais A, enfin, tu utilises chapeau. Pourquoi on va remplacer ces caractères? Par un espace. Où on va remplacer ces caractères? Dans phrase brute. Dans phrase brute. Allez, j'applique. Boum, ça marche. Ah, c'est trop fort, hein, les expressions régulières. C'est génial, vraiment, c'est génial. Eh bien, nous avons remplacé les trois points. Regardez l'état de la phrase brute avant. Trois points de suspension. Et là, il y a un point. Regardez maintenant l'état de la phrase. Absence du point et absence, enfin, absence des signes de ponctuation. Apparemment, tu as compris ce qu'on va faire après dans la production. Au lieu de mettre la phrase brute, on va mettre DF, ILOC, d'accord? I, virgule 0. On va boucler sur I. On va boucler sur I. Phrase brute. Donc laissez-moi quand même, parce que vous avez compris le principe, mettre ça dans phrase brute. Bon, je vais appliquer, je vais envoyer les résultats dans phrase brute. Je passe maintenant à l'étape numéro 2. Attention, c'est quoi phrase brute? Phrase brute. Et bien, phrase brute, en fait, est une chaîne de caractères. C'est string, STR. Donc, en réalité, ce n'est pas, en fait, c'est pas un type, hein. En réalité, STR, c'est une classe. Attention, en Python, tout est objet. En Python, tout est objet. Donc, phrase brute, en réalité, est une instance de la classe STR. Et quand on dit instance, on dit méthode. Allez, fais-moi phrase brute point tab. Je répète, phrase brute point tab. Tu vas obtenir en fait l'ensemble des méthodes, hein, des méthodes qui opèrent sur les chaînes de caractères. Parmi ces méthodes, on trouve lower. Lower. J'applique cette méthode. Tu vois? Eh bien, W ici est devenu un minuscule. Love d'ici, le L est devenu aussi en minuscule. C'est clair? Bien évidemment, je t'invite quand même à regarder toutes les méthodes qui opèrent sur les chaînes de caractères. Split, title, translate, plein, upper. Plein de méthodes. Nous, on va utiliser lower pour l'instant. Et là, on vient de réaliser l'étape numéro 2. Étape 2. J'envoie ça dans phrase. Dans phrase brute. Je vous montre l'état de phrase brute. Voilà. Wow, love this place. Je vous envoie quand même le code. Allez. Voilà la troisième étape. La troisième étape, je reviens au cours. La troisième étape, il faut décomposer les phrases en entités. Encore une autre fois, quand on dit entité, on peut décomposer une phrase, considérer les entités comme des lettres. Enfin, choisir comme entité les lettres. On peut choisir des entités comme bag of words, un groupe de mots. Bon, moi ici, je vais choisir les mots. C'est facile. Enfin, c'est facile, c'est un exemple introductif.
Donc, étape numéro 3, étape numéro 3, encore une fois, phrase brute, c'est une chaîne de caractères string. J'utilise la méthode split. Tu vois? J'ai réussi à splitter, à diviser phrase brute avec split. En entité, wow, love displace. En fait, quand on met rien par défaut, c'est un espace. Par contre, laissez-moi par exemple mettre this. Tu vois? Il a divisé la phrase en deux entités. Wow, loved et place. Il a supprimé this. Je peux par exemple diviser selon O. Donc il m'a divisé la phrase selon O, W, W, L, vid, this place. Tu vois? Donc nous, quand toi tu mets rien, la méthode split divise la phrase, enfin la chaîne de caractères en mots selon les espaces. Et attention, ça nous transforme la chaîne de caractères en une liste. Enfin, on va faire ça. Hein. C'est-à-dire, je vais écrire ici phrase brute. Et le changement s'effectue une seule fois. Hein. Attention. Donc c'est bon, là j'ai exécuté ça. Je fais type phrase brute, c'est une liste. Donc une liste est un objet itérable. Donc je peux faire for x in phrase brute, print x, et je fais une itération sur le for ici, c'est comme le for each. Le for each en, je ne sais pas moi, for each en PHP. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup du PHP. Peut-être que je suis sur un peu... je vais me convertir en développement web, moi aussi. Mais je pense, en Java aussi, il y a de for each, je pense. OK, donc attention, hein, avec phrase brute split, ça nous renvoie, cette fonction nous renvoie une liste. Attention. Maintenant, c'est quoi la quatrième étape? La quatrième étape... Il faut supprimer les stop words. OK? Voilà, il faut supprimer les stop words. Bon, là j'ai oublié. Hein. Il existe en fait une autre étape après la suppression des stop words. C'est qu'il faut renvoyer chaque mot à son origine. Et donc, on fabrique notre corpus, ça devient étape numéro 6. J'ai oublié, hein. Il faut renvoyer chaque mot à son origine. Donc, allez, on va commencer l'étape numéro 4. À cet égard, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, voilà notre phrase, c'est un objet itérable. Eh bien, on va appliquer une boucle for dans notre phrase. On obtient des mots, hein. Wow, love, displace. Sauf qu'on ne va pas afficher ces mots, hein. Ça ne sert à rien. Par contre, laissez-moi ici quand même charger cette classe. Donc, from nltk.stemPorter. Import Porter Steamer. La classe Porter Steamer permet en réalité de renvoyer chaque mot à sa racine. Par exemple, quand tu prends le verbe going, et ben going en fait c'est go. D'accord? Loved, c'est love. Enfin, je ne sais pas moi. Enfin, tu prends un verbe conjugué, il te renvoie le verbe à l'infinitif. Attention, Porter Steamer est une classe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut instancier cette classe. Donc, PS, c'est une instance de la classe Porter Steamer. Allez, on va commencer à travailler. Donc,
on va garder uniquement les mots, on va garder uniquement les mots qui ne figurent pas dans les stop words. Ils sont où les stop words? Les stop words sont ici. Voilà les stop words. Tu vois? Donc, il faut écrire une condition. Si le mot figure dans les stop words, on ne va pas garder ce mot. Alors, if, je respecte l'indentation, hein. If, x, c'est-à-dire mot, d'ailleurs pourquoi j'utilise x? Laissez-moi utiliser word, je vais utiliser word pour dire mot. Donc, for word in phrase brute, if word, not, if word, not in stop words. Et on va choisir l'anglais, English. N'oubliez pas, hein, stop words, c'est une liste. Bon. Afin, en fait, de considérer un ensemble des stop words uniques, je vais utiliser 7. Je vais appliquer 7 sur stop words. Nous avons vu 7 hier. C'est-à-dire, s'il y a des doublons dans stop words, on va supprimer ces doublons. Donc, si le mot ne se trouve pas dans les stop words, alors, je vais ajouter ce mot. Enfin, donc, je vais créer ici phrase propre, ok, une liste vide, c'est une liste vide, et je fais phrase propre, bon, quand même, je vous envoie ce code, car il commence à s'allonger, là. Et je fais phrase propre, append de quoi? Word. Ok, on peut faire ça. C'est-à-dire, ce code, après, on va afficher ici phrase propre. Regardez, ce code permet de supprimer les stop words. Enfin, question, comment on fait pour supprimer les stop words? Comment on fait pour supprimer les stop words? Je boucle sur la phrase. Et je vérifie. Si le mot not in ne se trouve pas dans les stop words, eh bien, je ne garde pas le mot. Et à cet égard, on passe de wow, loved, this place. Ah, wow, loved place. Mais il y a une autre chose plus intelligente à faire. C'est quoi cette chose-là? Eh bien, on peut, disons, on peut renvoyer chaque mot à sa racine. Donc, je fais PS stem word. C'est un modèle, hein? PS stem word. Regardez, le verbe loved se transforme en love. PS stem word permet de faire la racinisation. Racinisation des mots. Donc, en un seul, ou bien en une seule boucle, nous avons gagné deux choses. Nous avons supprimé les stop words et nous avons renvoyé chaque mot à sa racine. Et on obtient donc notre phrase propre. Si vous avez des questions, même par rapport au code, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Peut-être que c'est un peu bizarre pour vous. Enfin, Python, il est très flexible. Allez, quand même, je vous montre quelques applications de stem. Par exemple, je fais going. Tu vois, fais PS stem going. Tu obtiens go. Bon, je vais utiliser gone. Bon, gone, c'est gone. Par exemple, j'écris prepared. Tu vois,
Prepared, c'est prepare. Allez, j'écris preparing. Prepare. Bon, j'écris prepares. Prepare. Enfin, je prononce mal l'anglais, quoi. Bref, je suis désolé pour mon anglais. Donc, PSTEM, prepared, ça donne prepare. D'accord? Et ben, voilà que fait PSTEM. Hein, vous pouvez jouer hein, avec les mots. Avec ça. Allez, donc, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? On vient de finir, l'étape numéro 4, c'est-à-dire suppression des stop words et la racinisation. Vous voyez chaque mot à son origine, ou bien à sa racine. Laissez-moi plutôt écrire racine, c'est mieux. Car en voyant quelqu'un à ses origines, c'est pas bien. Donc, à sa racine. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la fabrication du corpus. Donc, je viens ici. Phrase propre. Malheureusement, c'est quoi phrase propre? Eh bien, c'est une liste. Et moi, je ne veux pas de liste. Je veux une chaîne de caractères. D'accord? À cet égard, afin de transformer notre liste vers une chaîne de caractères, je vais utiliser cette technique. Soit tu mets-moi deux apostrophes avec un espace, ou bien mets-moi des guillemets doubles. Point, join, phrase propre, et boum, je reviens à une chaîne de caractères. Voilà, ça c'est la dernière étape pour l'instant. Donc ça c'est la dernière étape. Construction du corpus. C'est bon. Join, phrase propre. Apparemment, tu as compris. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Ça, c'est une chaîne de caractères. Bon, si je supprime toute cette partie, le fait de mettre du guillemets avec un espace, enfin, c'est pas print, c'est type. Je veux écrire type. Tu vois, c'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, en réalité, c'est un objet. Donc, tu mets un point, tu mets tab, et tu obtiens l'ensemble des méthodes qui opèrent. Et bien, on va mettre join. Join est quoi? Join, phrase propre. Voilà, j'obtiens, wow, love place. Donc, laissez-moi envoyer dans ça, dans phrase propre. Allez, regardez. Regardez l'état de notre phrase au début. Regardez l'état de notre phrase après le nettoyage. Il y a quand même une grande différence. Hein? Une grande différence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ce process, ou bien ces étapes, sur toutes les phrases, sur toutes les phrases. Alors, il suffit tout simplement d'écrire une boucle for. Donc, application sur toutes les phrases. For i range 1000. On va mettre, allez, review. Bon, j'utilise le RE sub. Bon, je vais tout simplement faire des copier-coller ici. Sub. Au lieu de phrase brute, je vais mettre plutôt DF. Soit DF values, I. 0. Ou bien laisser, enfin, j'ai pas envie de faire values. I lock. Et je mets I. I pour dire première phrase, deuxième phrase, troisième phrase, et ainsi de suite. Puis, review est égal à review.lower. Nous avons fait ça. Review est égal à review.split. Et maintenant, review devient
se transforme d'une chaîne de caractères vers une liste. J'instancie porter steamer, puis au lieu d'écrire une boucle for dans la boucle for, hein, c'est-à-dire je peux faire tout ça, hein, c'est-à-dire cette boucle for, je peux la compacter en une seule ligne. La boucle for, hein, forward in phrase brute, je peux la compacter en une seule ligne. Comment ça? Eh bien, regardez. Au lieu de définir phrase propre ici comme une liste vide et j'ai voulu phrase propre, qu'est-ce que je veux faire? Je veux plutôt écrire PS stem word for word in phrase brute, hein? If not word in ensemble de stop words. Tu vois, avec sur une seule ligne, on appelle ça compréhension d'une liste. Sur une seule ligne, je peux fabriquer ma liste. C'est-à-dire, j'ai écrit une boucle for avec une condition en une seule ligne. Et ça, c'est l'intérêt du Python. On va faire ça dans ici. Donc, je viens ici et je vais faire ça. Sauf que je ne veux pas utiliser phrase propre, mais review. D'accord ? Puis, là, au lieu de phrase brute, je vais mettre review. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste en fait à faire le corpus. Donc, join, review. Et à la fin, je fais corpus append review. Et là, on est obligé de définir le corpus comme une liste vide. Voilà. Là, le code est presque fini. Voilà. Donc, je vous montre le corpus. Hein. Corpus. J'obtiens donc mes différentes phrases. Crust good. Ah, c'était quoi crust good? Hein? Je pense que crust good, c'était crust is not good. Point. Donc, il a supprimé le point, il a supprimé is, il a supprimé not, il a gardé crust good. Tasty, texture nasty. Tu vois, il a vraiment dramatiquement changé la phrase numéro 3. B. Très bien. Donc, c'est bon, là, nous avons fini de nettoyer les données. Qu'est-ce que nous reste? Il nous reste maintenant à encoder ces données textuelles. On doit encoder ces données textuelles. C'est-à-dire transformer ces données textuelles en vecteurs numériques, des 1 et des 0. Donc, je viens ici, j'écris encodage des données textuelles présentes dans le corpus. Voilà. Alors, je veux utiliser la bibliothèque scikit-lir feature extraction. On va utiliser ce sous-module de scikit-lir. À partir de feature extraction, je vais appeler texte. Et dans texte, j'appelle la classe counter-vectorizer. Bon. Je vais instancier cette classe CV est égal à counter vectorizer. Puis tout simplement, j'applique. Ah, déjà, je vous envoie ce code déjà. Bon, laissez-moi déjà tourner ce code, il marche. Allez,
je fais fit transform appliqué à quoi? Appliqué à corpus. J'exécute, j'obtiens ça. Fit transform appliqué à corpus. Ça me donne une matrice creuse, sparse matrix. Bon, là, tu vas me demander c'est quoi la différence entre une matrice creuse et une matrice pleine. En fait, une matrice creuse, c'est une matrice remplie des 1 et des 0. Il y a plein de zéros dans cette matrice. Donc, elle est presque vide. Cette matrice contient 1000 lignes et contient 1565 colonnes. D'après toi, ça représente quoi, ce chiffre, 1565 colonnes? Ben, ça représente les différents mots qui se trouvent dans corpus. Voilà. Je pense, oui, nous avons travaillé un peu sur cet encodage pendant la séance de la réduction des dimensions. Bon, question maintenant. Pourquoi Python transforme corpus en un sparse matrix? C'est pour en fait optimiser dans l'espace disque. Tu vois, compressed sparse format. J'allais dire ici que Python utilise une liste chaînée pour encoder cette matrice. Donc toi, comment tu fais pour récupérer ta matrice? Tu fais to array. Voilà notre matrice. Après, attention, hein, notre matrice n'est pas nulle. C'est une matrice 1000 lignes, 1565 colonnes. C'est une matrice rectangulaire, mais qui contient des 1 à l'intérieur. Mais sauf que cette matrice contient beaucoup de zéros. C'est ça le problème avec l'application des techniques de machine learning et de deep learning sur le traitement du langage naturel. OK. Donc, laissez-moi envoyer ça dans X. Apparemment, pour la première fois, on s'approche de quoi? On s'approche en fait de notre modèle. C'est-à-dire là, nous avons X. Là, tu vas me dire, mais c'est quoi Y? Ben, Y, c'est la variable cible. Comment je fais pour récupérer la variable cible? Je fais df.iloc 2.-1. Voilà notre... Donc c'est bon, là, nous avons Y, variable cible, et nous avons X, une matrice qui contient 1535 colonnes. Bon, afin de vous expliquer X, je dois le transformer en un data frame. Comment je fais? Je vais aller à CV et j'appelle la fonction get feature names. Et là, on va obtenir du mot absolute, absolutely, acid, axe, acid, accommode, account, et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ces mots? CV get feature names, hein, avec deux parenthèses. C'est une méthode. On va faire avec Simon. Je vais appeler à Pandas PD DataFray, ou bien plutôt, je ne veux pas faire ça, pardon. Ou bien si, on va faire ça. Allez, c'est pas grave, on va faire ça. Non, on va pas faire ça. En fait, on va faire ça plutôt. Je vais faire XDF, YDF, donc PD DataFray. Data est égal à X, puis les colonnes de X, ce sont tout simplement les mots. Voilà. Donc, colon, CV, get feature names. Maintenant, je répète la même chose pour Y. Je fais data frame. Data est égal à y.values et colons est égal à... Bon, on va, je vais écrire variable type, target, quoi. Puis je fais pd concat, une concaténation de xdf, ydf, axes est égal à 1. J'envoie ça, par exemple, dans df1. Et je vais vous montrer DF1. Voilà, on obtient ça. Regardez.
ou bien la première phrase, c'était quoi notre première phrase? Notre première phrase, je vous rappelle, du corpus, hein, du corpus. C'était wow, love place. Eh bien, cette première phrase, regardez comment elle est encodée. Elle est encodée. Elle est encodée sur 1566 colonnes, c'est-à-dire cases. Plein de zéros. Regardez, zéro, 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 zéro partout. Comme moi, je te demande, est-ce que la première phrase de corpus, est-ce que la première phrase de corpus, première phrase de corpus, contient, par exemple, le mot absolu, absolutely, acquis, accept, quoi, accommode, non, donc on met zéro. Par contre, quelque part, dans ces 1566 colonnes, on trouve en fait 3-1. Voilà, donc, tu vois, donc on vient de loin, on vient vraiment de loin. Nous avons réussi à transformer ça en ça, puis en ça. Voilà. Donc, nous, on va appliquer nos algorithmes sur DF1. On va appliquer nos algorithmes de machine learning, hein, sur DF1. Donc, je vais laisser DF1. Et au lieu de faire ça, hein, c'est-à-dire au lieu de faire ça, il suffit de faire DF.t. Avec DF.t. DF1 pointé, on améliore la représentation. C'est-à-dire, je calcule la transposée avec DF1 pointé. Donc, regardez-moi la première phrase. La première phrase, wow, love, place. J'ai plein de zéros. Et finalement, le client, il a aimé. Donc, la variable cible ici contient 1. Et ainsi de suite. Voilà. Allez. Donc, j'ai réussi à encoder mes données textuelles. Maintenant, je reviens au pipeline traditionnel de machine learning. Donc, X, Y, puis on va obtenir X train, X test, Y train, Y test. D'accord? Bon. Si vous voulez vraiment, de toute manière, regardez, je vais vous envoyer en fait le code complet. J'espère que ça va tenir. Vous êtes pressé vraiment. Ça marche. Attendez, je vais le code. Bon, je vous envoie ça maintenant. Là où? C'est-à-dire, si vous voulez exécuter tout le code, car il devient vraiment très très lent, hein, ce code. Allez, donc, je fais DF1, ILOC, toutes les lignes commencent à partir de la colonne 0, jusqu'à l'avant-dernière colonne. Puis pour Y, je fais pareil, je fais DF1, ILOC, toutes les lignes, dernière colonne. Maintenant, pour diviser X et Y en X-train et X-test, Y-train, Y-test, je vais appeler scikit-learn, model selection, et je vais charger train-test-split. Donc, train-test-split, je lui donne X et Y. Je lui donne train size. Enfin, on a beaucoup travaillé avec test size. Donc, train size, on va prendre 80%. On change un peu. Hein. D'habitude, Luled, d'habitude, je mets test size ici. Aujourd'hui, je vais mettre plutôt train size. Et n'oubliez pas le random state. Random state.
random state, pardon. Allez, laisse-moi tranquille. Random state est égal à 1. Voilà, j'exécute et ça marche. Ça, c'est de l'échantillonnage aléatoire. On voit ce code. C'est bon, code a été envoyé. Mais quand même, tu veux avec moi, c'est mieux. B. Allez, on va vérifier quand même Y-test. Tu vois? Donc, Y-test, nous avons commencé avec le commentaire numéro 507, puis 818, puis 452, ainsi de suite. D'accord? Bien sûr, il faut quand même jeter un coup d'œil sur la forme de X-trail. X-test, moi je fais ça tout le temps, hein. Faut toujours vérifier son code. Y-trail et Y-test. Donc, nous avons 800 commentaires à utiliser pour entraîner le modèle et nous avons 200 commentaires pris bien évidemment aléatoirement selon un échantillonnage aléatoire, avec train test split, pour tester le modèle. Et je vous rappelle que nous avons un lot initial de 1000 commentaires, 1565 colonnes. Voilà. Allez. Donc, aujourd'hui, on va pas faire du random, du pardon, du c'est-à-dire standard scaler, standardisation. On va pas faire de la standardisation, car si tu regardes, hein, si tu regardes les données, il y a que des zéros et des 1, que des zéros et des 1, il y a plein de zéros. Voilà pourquoi on appelle ça une matrice sparse. On va directement passer à la modélisation. Donc, je viens ici, j'écris modélisation. Et je vais utiliser l'algorithme Random Forest, modélisation avec l'algorithme Random Forest. Donc, from scalir, bon, j'agrandis un peu. Je vous ai envoyé ça. Oui. From scikit-learn.ensemble. Ah, c'est un algorithme qui implémente, disons, les notions vues dans les méthodes ensemblistes. Un random forest, c'est un ensemble de arbres de décision. From scikit-learn.ensemble. Import. Random Forest. Et là, on va trouver trois classes. Random Forest Classifier, Random Forest Regressor et Random Forest Random Trees Embedding. Moi, je veux Random Forest, donc deux classes. Random Forest Classifier et Random Forest Regressor. On va appliquer Random Forest Classifier. RF, bien, je vais appeler ça plutôt modèle, car j'ai des choses dans ma tête. Hein. Donc, modèle. J'instancie Random Forest par défaut. Allez, je vous envoie ce code. J'exécute. Puis, je vais exécuter. Puis maintenant, il suffit d'entraîner ce modèle, faire l'entraînement du modèle, puis de
réaliser une prédiction, puis de tester. Allez, je viens ici, j'écris entraînement du modèle. Prédiction. La fin S. Et je viens ici, j'écris test ou évaluation. Il faut toujours faire ça. Hein. Allez, je commence par l'entraînement. Donc, modèle.fit extrême directrice. On va entraîner le modèle sur X ray et Y ray. Bon, notre modèle a été entraîné. Figurez-vous, je n'ai rien touché aux paramètres. Pour l'instant, je n'ai pas fait du tuning. Je suis en train de travailler avec Random Forest Classifier, avec l'algorithme forêt aléatoire de scikit-learn, sans toucher à aucun paramètre. Par contre, nous avons des paramètres par défaut. Ici, nous avons 100 arbres. Number of estimators est égal à 100. Et le calcul utilise le critère du génie. Et comme je vous ai montré dans le cours, bootstrap est égal à true. On utilise la technique bootstrap. C'est bon, là, notre modèle est entraîné. C'est méga rapide, hein. Tu vois, c'est méga rapide. Shift entrée, ça entraîne. Bien évidemment, toi, si tu veux vraiment quantifier les performances, tu peux utiliser TimeIt. J'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, car l'algorithme Random Forest, il a, voilà. Donc, l'entraînement, en fait, un seul entraînement prend sur le processeur 897 millisecondes. Enfin, il a répété le calcul cette fois, il m'a calculé la valeur moyenne. Après, toi, si tu veux accélérer le calcul, tu peux mettre number of jobs, c'est-à-dire je peux venir ici, je spécifie number of jobs égal à moins 1. Attention, peut-être que ça va arrêter la connexion. Qu'est-ce que ça veut dire number of jobs égal à moins 1? Number of jobs égal à moins 1, c'est-à-dire je lance le calcul sur tous les processeurs disponibles. Bon, je vais faire ici GNOME Monitor, GNOME System Monitor, juste pour vous montrer que les quatre processeurs vont se réveiller d'un coup. J'espère pas que j'implémente mon PC. Hein. Donc, je vais instancier avec Number of Jobs égal à moins 1. Oui, je suis déjà... Bon, bref. Allez, Number of Jobs est égal à None ici. On va mettre moins 1. J'exécute... OK, j'exécute. Puis, je vais exécuter l'entraînement du modèle. Figurez-vous, hein, l'entraînement avec un seul processeur, c'était 897 millisecondes. Je vais lancer le calcul. Et regardez-moi sur le moniteur, sur le truc de performance. En fait, les quatre processeurs se réveillent au même temps. Je reviens. Ah, ça a pris 675 millisecondes. Tu vois, c'est avec ça que tu peux après améliorer les performances de tes modèles. On appelle ça High Performance Computing. Bien sûr, peut-être toi, tu disposes de 8 cœurs sur ton PC, 16 cœurs, c'est encore mieux. Mais l'algorithme Random Forest est parallélisable. On peut paralléliser l'algorithme. Bon, je vais arrêter ça car je risque de planter mon PC. Je vais plutôt travailler avec deux cœurs. Avec deux cœurs. Avec deux cœurs. Enfin, c'est pas vraiment clair. Hein. Là, c'est pas vraiment. Mais avec deux cœurs, le temps prend à 753 millisecondes. Bref. Voilà. Allez, je vais faire la prédiction. Même je vous envoie le code. Bon, je mets ici moins 20. N'exécutez pas ça si vous risquez de planter vos PC. S'il vous plaît. Allez, prédiction. C'est quoi? Je fais modèle predict. Et regardez.
Avec quand j'écris predict, l'algorithme Random Forest peut me prédire la probabilité que le commentaire est un bon commentaire ou bien est un mauvais commentaire. Ou bien le log de la probabilité. Ou bien il va réaliser vraiment une prédiction, 1 ou 0. Dans l'entraînement, ça, il faut apprendre ça par cœur. Dans l'entraînement, on entraîne sur X trait et Y trait. Dans le test, on teste uniquement sur X test. Quand je fais la prédiction, je fais X test. J'utilise X test. Figure-toi, je n'ai pas encore utilisé Y test. Ah, j'obtiens des 0, 1 et ainsi de suite. Si je mets proba, je vais plutôt obtenir en fait des probabilités. Par exemple, utiliser predict proba sur X-test. On va récupérer ici une probabilité. Donc, le commentaire numéro 1 se trouve dans X-test. Mais comment on va faire pour récupérer ce commentaire? C'est vraiment compliqué. Il faut revenir. Bon, bref, je ne veux pas faire ça. L'algorithme prédit avec une probabilité de 0,71 que c'est un bon ou c'est un mauvais. Je pense que c'est un bon. C'est un mauvais, 0. D'accord? Par contre, la probabilité pour que le commentaire numéro 1 dans X-test soit un bon commentaire, c'est 0,29. Par contre, si tu regardes le deuxième commentaire, l'algorithme, il est très sûr, hein, c'est 0,94. Après, pour des applications vraiment avancées, vous aurez besoin de tout ça. C'est-à-dire vraiment de voir les probabilités. Et là, c'est les logs des probabilités. Bon, moi, je vais revenir tout simplement à Predict. Donc, on obtient des 0 et des 1. Donc, je vais envoyer ça où? Dans Y-Pred. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Y-Pred. Nous avons Y-Test. Et nous avons Y-Pred. Y-Train, je n'ai pas envie de l'utiliser. Pourquoi? Car j'ai utilisé Y-Train dans l'entraînement. Y-Pred, je l'ai créé pendant la prédiction. Il me reste Y-Test. Qu'est-ce que je vais faire avec Y-Test? Je vais utiliser Y-Test pour tester. Donc, je fais modèle.score Y-Test.Y-Pred. J'exécute. Oui, encore une autre fois. Cette histoire de reshaping. Donc, le Y-Pred, Allez, c'est pas grave, hein, on va faire ça. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, lui. Donc, reshape, moins 1, 1. Reshape, moins 1. Pour les deux. Donc, type Y-test. C'est une série. Une série. En values. Je fais les shapes. Le values moins 1. Ce qu'il va aimer. Non. Je ne comprends pas des erreurs qui sortent de nulle part là. Y-test values. Attends. Ah, je pense que c'est 200. Hein, c'est 200. Attendez. 200, oui. Oui, c'est pas. Ici, je vais mettre 200.
Si, 1,2 m. Je ne comprends pas pourquoi elle me fait ça. Greg Pred Shape. 200. Oui, 200. Je fais moins 1, je tiens 200. Vous voyez? C'est quoi le problème? Et après, avec Y test, je fais shape. Qu'est-ce que j'obtiens là? 1,200. Oui, quand même, le score, purée, j'ai fait ça maintenant. Ah, purée. Pardon, hein, pardon. Pour le score, je dois utiliser X test, Y test, j'ai oublié. Donc, c'est bon, là. Donc, le score, en fait, c'est 0,76. Le score, c'est 0,76. Par contre, et encore une fois, on n'a pas encore fait le tuning. Pardon, hein. J'ai oublié comment ça fonctionne le score. J'étais en train de me concentrer sur un autre truc, j'ai oublié le score. Par contre, où on peut utiliser Gregg-Pred? En fait, dans la matrice de confusion, donc from scikit-learn. Point matrix, on va charger confusion matrix, la matrice de confusion. Et dans la matrice de confusion, c'est là où je vais utiliser Y test, Y pred. Voilà, maintenant ça marche. Donc, on obtient la matrice de confusion et on obtient le score. Bien évidemment, hein? Bien évidemment, bon, ça j'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Bien évidemment, on peut tester sur les données d'entraînement, juste histoire d'avoir une idée. Donc, je répète. Quand je fais score x-train, y-train, j'obtiens en fait un score de 0,99, 6, 2, 5. Ça veut dire que l'algorithme forêt aléatoire arrive sur le données d'entraînement. C'est-à-dire si moi je lui donne x-train et je lui donne y-train. C'est-à-dire si moi je lui donne les données et je lui donne les labels. C'est comme si je te donne l'exercice et la correction. Et toi, tu vas apprendre l'exercice et la correction. On voit que l'algorithme arrive à un score, à une précision, pardon, à une accuracy. Accuracy. Ça, c'est l'accuracy. Justesse. Accuracy. C'est pas l'accuracy. L'accuracy, tout simplement, et là, devant vous, vous avez la matrice de confusion, c'est la somme sur la diagonale, donc 94 plus 58, divisé par 200. Bon, ça c'est l'accuracy sur le test. Mais c'est le même principe. Tu fais la somme sur la diagonale et tu divises par tout le monde. Donc ça, c'est sur l'entraînement. Sur les données test maintenant, regardez comment l'accuracy se dégrade. C'est un signe de quoi? Eh bien, c'est un signe d'overfitting. D'overfitting. Donc l'accuracy, puisque nous avons vu ça en classification, ce n'est pas vraiment une bonne métrique. Une bonne métrique. À cet égard, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder la matrice de confusion, la matrice de confusion, d'accord? Puis, il faut regarder ici les faux positifs, les faux négatifs. 34 ici, c'est le nombre des faux négatifs. Et 14, c'est le nombre des faux positifs. On a intérêt à diminuer les faux négatifs. Voilà. Bon. À ce niveau, techniquement, nous avons fini ce qu'on appelle la première itération d'un projet machine learning. On vient de loin quand même. On récupère des données. On nettoie ces données. On encode ces données
avec une technique, hein. Je fabrique le X-ray, le Y-test, X-test, Y-trait, échantillonnage aléatoire. J'applique un modèle sans toucher à ces paramètres. Puis, j'évalue le modèle. Mais, bien sûr, en machine learning, on ne s'arrête pas ici. En fait, il faut passer maintenant à une deuxième itération. C'est quoi la deuxième itération? Il faut déjà comprendre, par exemple, les colonnes. Les colonnes. Ah, les mots qui sont plus importants que les autres. Il y a des mots, quand l'algorithme trouve ces mots, eh ben, il va dire, tiens, ce mot est plus important qu'un autre mot. Ça, c'est d'une part. Donc, il faut comprendre l'algorithme Random Forest. On peut penser à ça dans une deuxième itération. Dans une autre itération, on peut, ou bien il faut même faire le tuning, c'est-à-dire il faut régler les paramètres de l'algorithme Random Forest. Tous ces paramètres. Il faut choisir les meilleurs paramètres. Les meilleurs paramètres, par exemple Gini ou entropie, le max depth, le max fetch, le CCP alpha par rapport au pruning, par rapport à l'élagage des arbres utilisés, et ainsi de suite. Bon, le tuning de ces hyperparamètres permet peut-être, enfin, permet d'améliorer le score. Bon, je vais commencer en fait dans l'ordre. Je vais commencer tout d'abord par une étude sur l'importance des mots. Alors, je vais venir ici. Je vais utiliser cette fonction. Et je vais l'exécuter. Je vais vous envoyer cette fonction. J'espère que non, non, il n'arrive pas à envoyer toute la fonction. Bref, c'est bon. Là, allez, regardez. Ah, c'est génial, là. Regardez. En fait, quand je prends l'algorithme Random Forest, quand je prends l'algorithme Random Forest, le modèle, je mets un point et j'appuie sur Tab, j'appuie encore sur Tab, j'obtiens un truc qui s'appelle Feature Importances. Nous avons fait ça l'autre fois. Donc, cet attribut Feature Importances te donne l'importance de chaque colonne. Question, que représente les colonnes dans notre cas aujourd'hui. Les colonnes représentent des mots. Donc, j'applique cette fonction. Regardez, le mot le plus important d'après l'algorithme Random Forest, grit. C'est-à-dire, si toi tu mets grit dans ton commentaire, et lui, il va considérer ce mot comme vraiment important. Et ben, dans un commentaire, nous avons grit. Ça veut dire que le client, il a aimé le restaurant. Good, love, friendly, fantastic, bad, d'accord? Ok, bon, de toute manière, regardez ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de tous ces commentaires. De toute manière, je vais vous envoyer le code après la séance. Donc, quand même, si vous voulez tourner le code maintenant, vous verrez ça maintenant. Ah, il faut vraiment suivre la. Donc, ça, c'est Sum All Features. Sum All the Features. Je m'arrête où? Sum All the Features. Bon, puis je vous envoie ça quand même. Sum All the Features. Tout ça. Voilà.
Bon. Donc, je pense que c'est mieux, hein, quand même, de comprendre les variables, les colonnes qui sont plus importantes que les autres colonnes. Et là, on arrive vraiment à comprendre les raisons pour lesquelles l'algorithme de Fourier aléatoire a fait cette classification ou bien une autre classification. Vous allez trouver vraiment tous les mots. Tous les mots. Par exemple, le mot left, pas left, ça n'a aucune importance. Here, diner, dinner, pleasure, enfin, aucune importance. Bref. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Maintenant, imaginons, on veut utiliser cet algorithme. Donc, un autre algorithme, il est ici, il est déjà entraîné, hein, il est entraîné et tout. Et on veut utiliser cet algorithme, par exemple, pour faire des prédictions sur une nouvelle phrase. Allez, je vais créer une phrase. On va appeler ça phrase test. On n'a jamais fait ça ensemble, hein, phrase test. Et donc, cette phrase test, je vais écrire, par exemple, the dinner was great. I like the restaurant. Bon, ça veut dire apparemment que, enfin, ici, le client, il a vraiment aimé le restaurant. On veut vraiment, un client, par exemple, sur le front-end, sur le site web, toi, tu vas lui laisser enfin, un champ, il va écrire The dinner was great, il va écrire son commentaire. Et toi, ton modèle, déjà, tu es back-end. Et tu veux que ton site, bien sûr, avec mon cours, tu vas commencer à développer des sites web intelligents. Tu veux que le site détecte le sentiment du client. Que le client, il aime le restaurant ou bien il n'aime pas le restaurant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la chaîne de caractères rédigée par le client et directement, tu vas utiliser CV. C'est quoi CV? On va pas jouer ça. CV, c'est le truc, enfin, c'est la classe qui nous a permis d'encoder les mots. Tu vois, c'est le counter vectorizer. CV, c'est un objet de la classe counter vectorizer. Bien sûr, j'ai fait CV fit transform sur Corpus. Par contre, sur la nouvelle phrase, je vais juste faire transform. CV.transform. Et je mets ma phrase. Allez, je vais mettre ma phrase. Il veut la phrase dans une. En fait, il veut la phrase comme. Et il veut la phrase dans une liste. Il veut la phrase dans une liste. Ah, quand même, je vous montre l'erreur. Donc, vous allez me dire, regardez. Là, il a dit iterable over row text document expected. Donc, il veut un objet itérable. Je vais lui mettre une liste de crochets. De crochets. Comme j'obtiens une matrice qui contient une seule colonne, une seule ligne, 1565 colonnes que représentent les mots. Je transforme cette matrice en array. Un plein de zéro. Allez, je fais la somme. 3. Voilà cette phrase. The dinner was great. I like the restaurant. Il nous reste, après la transformation, uniquement 3 mots. Je prends le modèle maintenant. C'est bon, là, je prends le modèle et je fais modèle predict. Modèle predict de quoi? Donc, je prends cette matrice, je vais l'appeler X. J'appelle ça, par exemple, X petit x, phrase test. Exemple. Hein. Et, allez, suspense. D'après vous, comment il va classer cette phrase? The dinner was great, I like the restaurant. C'est le modèle. Comme un bon commentaire ou bien un mauvais commentaire?
un bon commentaire. Ah, peut-être toi, tu vas me dire, non, moi j'ai besoin quand même des probabilités. Okay? Tu peux faire predict proba. Et tu me mets la phrase. Tu vois? Donc, avec une probabilité de 0,89, il a classé cette phrase comme un bon commentaire. Et avec une probabilité de 0,11, il a classé cette phrase comme un mauvais commentaire. Donc finalement, c'était un bon commentaire. B. Regardez, allez, bon, je vous envoie déjà ce code, puis on va commencer à faire on va manipuler des trucs là. ZVZNT. Tigène. ZVZNT. Tigène, merci déjà pour ta question, mais je n'ai pas compris. Avant, hein, est-ce qu'on peut nettoyer la prédiction? Non, 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 Tigène, non. Fin si, oui, il faut nettoyer. Mais en fait, disons, j'ai la flemme en fait de nettoyer. Oui, j'ai la flemme, mais oui, tu as raison, il faut nettoyer. Tu as raison, il faut nettoyer. Il faut nettoyer, oui. Allez, je vous envoie ce code. Regardez, le mot grit, c'est un mot important. Allez, je vais supprimer ce mot. Je vais dire, the dinner was médium. J'exécute. Tu vois? Juste, je supprimais le mot grit. Et ce mot grit, hein, d'après l'algorithme Random Forest, c'est un mot hyper important. Regardez comment le classement, ou bien la classification, a balancé. C'est-à-dire, on passe de 0,85 à droite et 0,05 à gauche vers l'inverse. C'est-à-dire, je peux même, l'algorithme même, il classe cette phrase comme un mauvais commentaire. Hein, je supprime média, je répète, je viens à zéro. Malgré hein, qu'il y a I like the restaurant. I like the restaurant. Bon, voilà, c'est. Voilà. Voilà. Donc, je reviens à good. Hein. Même avec good, ça ne marche pas. Si je mets juste grit, ça me donne ça. Et ça me donne ces probabilités. Voilà. Donc, voilà en fait comment on peut utiliser le modèle. Donc, après, toi, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu peux, en fait, sérialiser le modèle dans un pickle, puis connecter ton front-end à ton back-end via ce pickle pour que ton site soit intelligent. Donc, le site peut prédire les sentiments des clients directement. Voilà. Donc, voilà par rapport à l'application de notre algorithme Random Forest. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste sur cet algorithme? Il reste en réalité le tuning des différents paramètres. Bon, donc je vous ai préparé en fait un autre fichier qui contient comment on règle les différents paramètres de l'algorithme Random Forest. Bon, je vous donne déjà les paramètres les plus pertinents de l'algorithme Random Forest. Nous avons déjà le nombre d'estimateurs, c'est-à-dire le nombre d'arbres de décision utilisés dans l'algorithme Random Forest. C'est un paramètre hyper intéressant. Interrompez-moi hein, si vous ne comprenez pas un truc là. Oui, nous avons aussi le max features. Le max features, c'est-à-dire le nombre de colonnes utilisées pour réaliser la classification. Bon, je répète, pour le nombre d'arbres, la valeur par défaut, c'est 100. Mais toi, tu peux mettre 200. Tu peux mettre 300, tu peux mettre 1000.
Pour le max feature, pour le... Bon, ça, c'est un markdown. Hein. Markdown. Pour le max feature, soit tu mets auto, soit tu mets non, tu mets SQRT, c'est-à-dire racine carrée. En fait, en nous, nous avons combien de colonnes? Nous avons à peu près 1590 colonnes. Quand tu mets SQRT, on va dire, tiens, la valeur maximale de colonne, ça sera la racine carrée de 1500. Ou bien log à base 2 de 1500. Ou bien 90% de 1500. Maintenant, nous avons 1000 samples leaf. Donc, c'est le nombre minimum d'échantillons créés dans les nœuds. Ce sont les, figure-toi, les feuilles. Puis il y a le number of jobs. Est-ce que, enfin, ça c'est par rapport en fait à l'optimisation de la complexité temporelle. Bon, le calcul, ça va prendre beaucoup de temps, donc j'ai fait ça pour vous. Hein, et regardez ce qu'il me donne. Par exemple, si je prends le nombre d'estimateurs, le nombre d'arbres de décision, c'est-à-dire est-ce qu'on va prendre 30, ou bien on va prendre 50, ou bien on va prendre 100, 200 jusqu'à 2000. Regardez le résultat. En fait, on voit... Et j'utilise comme métrique le AUC, c'est-à-dire la surface sous la courbe Brock. Nous avons fait ça. Revenez à l'une de mes vidéos où j'ai traité l'évaluation d'un algorithme de classification. Ça s'appelle AUC. C'est la surface sous la courbe Brock. Donc, on remarque que le AUC, avec peu d'arbres, il est grand, puis il diminue drastiquement, puis il augmente, et puis en fait il diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait ici, bon, quand je regarde cette courbe, le meilleur nombre d'arbres de décision à mettre dans l'algorithme forêt aléatoire, dans notre cas à nous aujourd'hui, c'est 250. Ne regardez pas ça, ça c'est une fluctuation aléatoire. C'est 250. Puis à un moment donné, puis plus maintenant, plus tu augmentes le nombre d'arbres, plus tu détériores la qualité de ta classification. Car, et ça, c'est une démonstration réelle. C'est-à-dire, il ne suffit pas de mettre 2000 arbres pour dire, voilà, j'ai un bon algorithme forêt aléatoire. Voilà, voilà par rapport au nombre d'arbres utilisés dans l'algorithme. Bon, je passe maintenant au max feature. Donc, avec cette boucle for, je choisis entre auto, non, racine carrée, log à base 2, 80%, 20%. Et regardez le résultat. C'est quoi le meilleur score ici? C'est quand j'utilise log à base 2. Mais finalement, on prend 20%, 90%, racine carrée. En fait, on obtient presque les mêmes performances. C'est-à-dire, on joue peu par rapport à 70%. OK. On va passer à un autre paramètre, à un autre hyperparamètre. C'est le mean sample leaf option. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous montre le résultat. Tu vois? Le meilleur, ou bien le meilleur score se trouve entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Encore une autre fois, le score, c'est le AUC. Je ne suis pas en train d'utiliser la justesse. C'est-à-dire l'accuracy. Ce n'est pas une bonne métrique. OK. Donc là, c'est bon, presque. Mon algorithme Random Forest est prêt. Il suffit de prendre 2 ou 3 pour le min sample leaf, mettre log à base 2
pour le max features et choisir 250 arbres et on peut améliorer la précision. Enfin, on peut améliorer le résultat. Allez, on va essayer ça en temps réel. Donc, from scikit-learn. J'ai oublié d'écrire. Point ensemble. On va charger random forest classifier. Puis, j'écris modèle optimal égal à random forest classifier. Point max feature. Nous avons dit quoi par rapport à max feature? Max feature, nous avons dit log à base 2. Juste, j'ai besoin log à base 2. Voilà, comme ça. Log à base 2. Puis, number of estimators. Voilà, ça c'est important. On va mettre 250. Puis, donc ça c'est number of estimators. Voilà, min sample leaf, 2 ou 3. Enfin, on va choisir 3. Min sample leaf, 3. J'exécute. Puis, allez, rapidement, modèle optimal fit. X train, big train. C'est bon. Modèle optimal. Score, X test, Y test. Là, il y a un truc bizarre qui vient d'apparaître. Bon, je passe quand même à l'algorithme. Je vais étudier, voilà, la matrice de confusion. Il y a un truc bizarre là. En fait, regardez, avec le modèle par défaut, nous sommes à 0,76. Le modèle par défaut. Et là, je passe à 0,65. Il y a un problème. Attendez. Je vais essayer de régler ça maintenant. Y-test. Modèle optimal. Predict. X-test. Non, je pense en fait que je me suis trompé. Oui, si. Je me suis trompé pendant la partie. Voilà, il faut dire là. Enfin, je me suis trompé pendant la partie tuning des hyperparamètres. Il faut que je répète cette partie. Je sais pas où et car en fait c'est impossible. Normalement, quand on règle correctement nos hyperparamètres, on améliore le score. Et là, le score passe de 0,7 à 0,65. Donc, c'est pas bien. Déjà, mais, il y a en fait une bonne nouvelle quand même. En fait, nous avons moins de faux négatifs. C'est-à-dire, on passe de, je pense, 42 à 3. Non, c'est pas 42. Là, regardez le 3 ici. Quand je vais en haut, voilà, je passe quand même de 34 faux négatifs à 3 faux négatifs. Bon, au sens de la justesse, de l'accuracy, c'est mauvais, mais au sens de l'AUC, c'est bien. De toute manière, ici, nous avons peu de faux positifs. Pardon, nous avons peu de faux négatifs. Et n'oubliez pas où on perd de l'argent par rapport aux faux négatifs. C'est-à-dire,
le client est un mauvais client, il n'aime pas le restaurant, tu lui envoies quand même une invitation et tu lui appelles, tu perces de l'argent pour l'inviter à venir au restaurant. Et finalement, il ne vient pas et tu vas perdre de l'argent. Il y a une question. Est-ce qu'il ne faut pas réentraîner le modèle après modification? Si, si, Tijeni. En fait, mon modèle, ça s'appelle modèle optimal. Tijeni, mon modèle, ça s'appelle modèle optimal. Voilà, je l'ai entraîné. Hein, modèle optimal, fit, tu vois? En fait, voilà, j'ai instancié. En fait, je n'ai pas fait vraiment un modèle. Hein. Non, j'ai fait modèle optimal. J'ai instancié un nouveau modèle. Voilà, j'espère, avec la science, apparemment, vous avez compris que je travaille lentement aujourd'hui avec vous. Hein. OK? Bon, ça, c'est bien, peut-être. J'espère que vous avez compris. J'ai essayé aujourd'hui aussi de travailler un exemple complet, un exemple réel complet, traitement du langage naturel. Et à la fin, nous avons réalisé une classification avec un algorithme Random Forest. Et quand même, nous avons fait nous avons travaillé la compréhensibilité du modèle. On sait bien quels sont les mots vraiment sensibles. Et enfin, nous avons, disons, fait vraiment tout le cycle. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement à déployer ce modèle, enfin, écrire du code. Moi, j'utilise Python, hein. J'utilise Dash, j'utilise Flask, quoi, Flask. Dash, c'est un framework au-dessus de Flask. Et je crée mon front-end, et puis je crée des champs. Le client va écrire ses commentaires, et puis je connecte ce fichier. Bien évidemment, ce n'est pas un fichier Jupyter Notebook, mais un code de PY. Et j'arrive quand même à réaliser une API. Peut-être toi, tu vas utiliser Angular. Je ne sais pas, moi. Tu vas utiliser peut-être Java. OK. Arrêtez l'enregistrement.